Salut les gens, c'est Stan. On se retrouve sur Dyson Sphere Project et au programme aujourd'hui, c'est les matrices vertes. Vous avez vu, ça dépote. Il y a une petite erreur sur les matrices jaunes, on fait que 3 par 1,5 par seconde à cause de quelque chose qu'on va aller corriger sous peu parce que les matrices vertes, hein, ça se décompose finalement en. Alors attention, c'est pour deux matrices vertes, hein. Un graviton lance et un quantum processeur. La graviton lance, c'est des diamants et des matières étranges. Et le quantum processeur qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est des processeurs. Et des pleines features. Alors les processeurs, on connaît déjà, on en a déjà fait, on va y retourner. Mais avant, je vais faire ma petite partie, je m'équipe. Donc on va récupérer de ça, il faut que je récupère de tout, hein. Voilà, on va récupérer de ça là. Hop. Voilà. Et on va aller chercher d'autres choses. Parce que j'ai plus aucun matos. Un, deux, trois, quatre. Ça devrait suffire. On va prendre des briques. Du verre. Tout ça, bien entendu. Et on va immédiatement. Oh, j'ai oublié les moteurs. Les turbines, pardon. On est juste à côté, c'est pas grave. Hop là. Ici. Ça tombe bien, on en a plein. Et je vais pouvoir lancer plein de ça. Voilà. Hop, on va se poser. On va prendre aussi un petit peu de ça. Beaucoup de fer, le fer c'est utile pour tout faire. Évidemment un petit peu de ça. Évidemment aussi de ça, on en a toujours besoin. Ça tout ce qu'on fait hein, dans les coffres, autant en avoir sur soi. Maintenant qu'on a un inventaire de badass. Je voudrais aussi faire de ça. Il me faudrait aussi faire comme ça, pourquoi pas. Et on va aller, comme j'ai besoin de plus de processeurs, court-circuiter nos processeurs tout de suite. Alors court-circuiter pas méchamment hein, mais à la rude hein, quand même hein. Hop, ici. Et voilà. C'est parti. Maintenant, on va aller poser une mine de cuivre en plus parce que on n'a pas de mine de cuivre. Alors, j'ai déjà 12 mines. Sur moi, ça devrait suffire. Nous y voilà. Alors, non pas que j'avais pas prévu le coup, j'avais prévu le coup, j'avais fait assez de cuivre. Le problème, c'est que les mines sont en train de s'épuiser petit à petit. Et comme elles s'épuisent, eh ben, elles produisent de moins en moins. Et elles ne correspondent plus à ce dont j'ai besoin. Alors ici maintenant, la nouvelle norme, c'est plus de. Ce n'est pas du tout d'essayer d'optimiser. La nouvelle norme, c'est uniquement de ramasser tout. De façon à ce que quand Oza nous dise ici c'est épuisé, il n'y a plus rien, on arrive et qu'effectivement il n'y a plus rien. Qu'on ne se retrouve pas avec un truc qui n'a pas été sélectionné. Ensuite, pour faire du 12 par seconde, il nous faut maintenant, c'est 0,7 qu'on mine par seconde avec une veine. Donc il nous faut 17 veines. 3, 5, 8, 13. 13 là, on a, ça nous fait 19, ça nous fait un petit peu trop. Là, on a 6 et 6 et 3, ça nous ferait du 15. Là, 8 et 5, 13. 13 et 5, 18. Voilà, on va faire les 3 qui sont là. Et les 18, c'est bon. C'est pas grave si c'est pas du 100% quand même. Voilà, et ici. Hop là. Hop là, on enlève ça. Et on va mettre maintenant, parce qu'on va s'en servir. Pareil, hein. Nouvelle technologie, nouvelle capacité de production, changement
de mœurs. J'ai 5 éoliennes, je vais voir si j'arrive à les recaser, hein. Et hop là. Voilà. Bon. Ici maintenant on lui dit qu'il va accepter ça. Sinon ça ne marche pas. Et on est bon. Alors moi ce que j'aimerais bien fabriquer maintenant, ça serait des petites navettes. Mais je peux pas parce que j'ai pas assez de processeurs. C'est quoi ça? Je me souviens plus. Je suis où là? Ok. C'est par là. Alors ici le problème que j'avais fait, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai pas vu de commentaire là-dessus. C'est qu'ici en fait j'ai 16 usines pour, 12. Ce qui fait que le silicone ne va pas jusqu'au bout. J'explique qu'on fait jamais notre quatrième processeur. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire mes navettes. Oh oui, plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas autant. Pas autant, parce que je dois aussi faire beaucoup de ça. 1, 2, 3, 4, très bien. Alors, ici. Donc, ici, on fait 4 processeurs. En théorie, quand ça, ça marche, on fait 4 processeurs. Ça, ça marche pas, on en fait donc 3 pour l'instant. On va doubler cette partie-là, et donc rajouter 50% au reste. 50% au reste, c'est-à-dire que là, où vous êtes 6, maintenant, on doit faire 12. Voilà. Donc maintenant on doit faire 12. C'est parti. Hop, on y va. Hop là. On va voler la recette, on la colle, on met un petit peu d'énergie quelque part pour que ça colle bien. Et ça y est, on produit du 12 ici. On va maintenant se séparer de ça. Et vous voyez, ça c'est le genre d'erreur qu'il ne faut plus faire maintenant. Parce qu'une fois que ça viendra nous dire ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cuivre, et ben ça, ben on se rendra compte que finalement si, il en restait un peu. Et que c'est bien dommage. Voilà. Ici, maintenant, on en faisait 4. Au début, on en faisait que 3 d'ailleurs. Maintenant, on veut en faire 2 de plus. Voilà. Hop. C'est pas très propre parce qu'il y a le décalage, hein, mais bon. On fait avec ce qu'on peut. Et on va mettre de l'énergie pareil. Ici et ici. Voilà. Là, ici, il nous faut maintenant un petit peu. Il faudrait plus de four. Donc, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ici, on est parti pour faire des plaques de cuivre. Alors on a besoin ici que de, on avait 4 qu'on a enlevé là-bas.
On doit en avoir 6 ici pour que ce soit pour que ça marche. Donc j'en fais 9 parce que j'ai que 9 fours. On va sortir un tapis 12, on va convertir un tapis 12. Si un jour on a besoin de plus, et bon, on aura plus. Visiblement, c'est pas aligné. Donc 10, 10, 10, 4. Je peux les refaire maintenant. Voilà, comme ça mes fours vont venir. 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Donc, je pourrais faire des petits trucs comme ça, j'ai pas besoin de plus. Donc on va encore annuler ça et les fours. Donc les fours sont où? Les fours sont ici. 1, 2, 3. Ça. 1, 2, 3. Et c'était quoi? Ah bah c'était ça. Je les ai faites. Ça y est. Donc, toc. Toc. M'avait dit. C'est pas le bon sens. On recommence. Tu sors par là. Tu prends par là. Très bien. Tu prends par là. Tu sors par là. Sors par là, tu prends par là. Voilà, normalement c'est bon. Ici, on va lui demander d'appeler du minerai. On va lui mettre des navettes. Navette, ça devrait suffire pour l'instant, et on lui demande de ça. On lui met de l'énergie pour qu'il soit heureux. Et c'est parti, les navettes sont parties. Normalement, il y en a assez, je pense. Voilà, on a plus de cuivre. On a besoin que de 6 par seconde de cuivre ici. Ici, bien entendu, on faisait 8 par seconde de fer, on a besoin de 12. Donc, eh ben on l'aura compris, on va juste rajouter 4 petits fours. Tout pareil. On va aller voler les recettes. On les colle. On va alimenter où il y a besoin. Personne n'a besoin d'être alimenté. Donc. Et on est à 12. Parfait, là on est bien à 6. Ici, il faut passer à 18. Donc, je pense pas avoir la place, donc je vais le faire derrière. On en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quatre, cinq, cinq, six. Ici, on va changer tout ça. On reçoit pas de cuivre ici. Donc ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose, quelque part. On va aller voir ce que j'ai mal fait. Oui, j'ai oublié ma bifurcation ici. Voilà. Et ici, on va s'en aller. Là,
Hop là. On va les débarrasser de notre eau. Moi, je vais arrêter de me charger avec ça. Voilà, je voudrais me charger avec ça. Et ici. Est-ce que j'ai assez d'usine, moi? Ouais, j'ai assez d'usine. Là, on va prendre la recette. Et la copier. Voilà, là. On va se débarrasser de ça. Ici. On repart dans l'autre sens. Nous y voilà. On récupère l'autre. Jusqu'ici. Un peu timide ça, non? Ça prend, ça prend. Hop là. Et on va à nouveau alimenter en énergie tout ce qui doit l'être. Voilà. Il ne reste plus qu'à sortir maintenant. Ce que l'on fait proprement, pas le mettre en face. Et normalement, on fait du 6 par seconde, sauf que là, on fait toujours que du 3. Donc évidemment, vous l'avez compris, on va faire une deux fois la même chose. Ici, on va sortir. Plaque. On va mettre 1, 2, 1, 2, voilà, voilà. Six, trois, quatre, cinq et six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a nos arrivées de matière. Voilà, ici, on a notre sortie. Alors, la recette. Voilà. Les alimentations, j'ai l'impression qu'elles sont toutes alimentées. Ça restera à vérifier quand même. Ouais, c'est bon.
Voilà, là, on est parti, je vois pas de problème d'énergie. On fait du 12 par seconde ici. On fait 12 par seconde ici, on n'a plus rien qui arrive. Parce qu'on n'a pas de cuivre qui débarque là. Hop là, c'est parti. Donc ici, on a le bon nombre. Ici, on a le bon nombre. Ici, on a ce qu'il faut. Ici, on a ce qu'il faut. Ici, on a ce qu'il faut. On a donc bien maintenant 6 processeurs qui sortent. Alors, on en veut 4 vers les nouvelles, 2 vers les nouvelles et 4 vers les anciennes. On va donc utiliser ça. Pour dire, tu viens là. Tu sors là. Donc on a deux sorties et une troisième. Rigolo ça. J'ai jamais fait un truc comme ça. C'est très rigolo. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et voilà pour la première partie. Il y en a quatre composés à faire. Le premier, c'était les processeurs. On a fait nos deux processeurs par seconde. Ils arrivent ici. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Oh les gens, alors on est parti pour une petite partie spatiale. On va mettre en place l'avenir et le présent. Hop là, un petit... Ça y est, juste... Alors la partie spatiale, ça consiste déjà à piller tout ce qu'on peut trouver ici. Voilà. Sauf ça, la moitié seulement, ça me suffira. Très bien. Maintenant, ici, je voudrais lui dire qu'il peut aller jusqu'à 25. Merci. Et prendre tout. Là, je voudrais lui dire la même chose, qu'il peut aller jusqu'à 25. Et prendre tout. Et ici, il m'en faudra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va donc pouvoir construire 10 collecteurs supplémentaires. Et la prochaine fois, 25. Voilà. Ensuite, on va aller préparer ici notre zone de réception planétaire de tout ce qu'on produit dans l'espace. Enfin, pas de tout, mais une partie. Et de redistribution. On bétonne parce que c'est pas beau, hein. Les océans, les mers, les poissons, les algues, la nature, tout ça, c'est dégueu. Donc on bétonne tout vite fait, bien fait. C'est plus propre, hein. On se sent nettement mieux comme ça dans notre peau. Et on a vérifié les dernières mesures, la planète ne se réchauffe pas du tout, hein. Tout est bon. Vous pouvez nous faire confiance. Voilà. Alors ici, maintenant qu'on a mis nos 5, on va faire notre distribution. Voilà, hop. Quoi ce truc? Pourquoi je peux pas? Hop là. Donc en priorité, tu envoies vers la sortie. En priorité, ici, tu prends de là-bas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, ici, tu vas aller en mettre là-dedans. Là. Là-dedans. Là. Là-dedans. Et là. Là-dedans, et maintenant on va créer une gigantesque panne de courant sur notre planète. Le temps de charger tout ça. Voilà. Et on y va. Le premier, tu vas me ramener, allez, la glace. Et tu vas la demander.
Voilà. Ici, 50, 50, 50. Hop là. On charge tout ça et je pense qu'on est bon ici. Après la glace, ici, on va aller chercher les organic crystals. Pareil. Hop, on remplit ça. Et ça. Ici, on va aller chercher du pétrole, pourquoi pas, avec ça et ça. Et on va demander, bien entendu. Ici, on va aller chercher du graphite, avec ça et ça. Et on va le demander. Et ici, on va aller chercher des diamants, avec tout ça. Et normalement, voilà, ça décolle. Ça décolle. Là, ça a décollé. Là, ça décolle aussi. Là, ça charge. Mais ça va pas tarder à décoller. Là, ça a déjà décollé. Et là, ça décolle pas parce que j'ai pas demandé ce que ça décolle. Et c'est parti. Voilà pour cette petite partie. La planète est en panne. Et on va nous faire de plus en plus de collecteurs ici. On en a déjà 10 à les poser. J'aimerais bien qu'on en ait beaucoup plus parce que dans l'épisode de demain, on aura besoin de beaucoup de deutérium. On se retrouve tout de suite pour la suite. La suite, c'est toujours les quantum chips qui nous réclament maintenant. Les processeurs, on en a fait deux. On veut un quantum chip par seconde. On a fait deux processeurs par seconde. Il nous faut de maintenant deux plein filters par seconde, c'est-à-dire Casimir Crystal et des verres trempés. A tout de suite. Oh les gens, donc on va se rendre compte à quel point c'était intéressant pour nous d'aller hier faire un petit tour dans l'autre système. Alors c'était un épisode que je vous ai raccourci, hein, évidemment, je vous ai sauté quelques étapes. Parce qu'il va nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous permettre de gagner du temps aujourd'hui et demain. Voilà, je récupère tout un tas de ressources dont je pourrais avoir besoin. Un peu toujours les mêmes, hein. Un petit peu là aussi peut-être. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de chimical. T'as qu'à m'en faire 20. J'ai besoin d'atelier. T'as qu'à m'en faire 50. J'ai besoin de navettes, t'as qu'à m'en faire 60. Ça fera l'affaire. Hop là. Bon, allons-y. Non. Est-ce que j'ai pris ce qu'il faut? Oui, j'ai pris mes plaques. C'est parti. Maison. On a besoin d'eau, mais on ira la chercher un peu plus loin. Ça, c'est mon terrain de jeu. Voilà. Tous ces arbres-là qui nous gâchent la vue. Eh bien, ici, tu vas me sortir du titane. Et du de la Fire Ice. Voilà, le titane normalement ne devrait pas arriver parce qu'on n'en a pas. Et on va mettre quelques navettes en plus pour le moment. Parfait, le titane, tu vas me le sortir ici. Pour l'instant, comme ça. La Fire Ice, comme ça. Voilà, hop là. Ici, on va mettre nos centrales pour convertir le titane, la Fire Ice. Hein. Alors, je préférerais les mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2. Où est-ce qu'on en était? 2.
3, 4, 5. Ça, c'est pour faire autre chose. C'est pour faire un matériau que je peux pas faire dans la main. Et dont j'ai besoin en énorme quantité demain. Et donc, c'est pas au dernier moment qu'il va falloir que j'aille le chercher. Et ça se fait avec du graphène aussi. Donc, hop, là, j'aligne par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Hop. Et hop. Très bien, allons-y. Donc, on amène notre Fire Ice jusqu'ici à peu près. Et on va bien entendu expulser de l'hydrogène. Mince. Hop là. Il y en a plus là-bas. Merci. On va expulser de l'hydrogène, donc, que je récupère là, à sens, en sens inverse. Et du graphène, que je récupère, pour le coup, ici. Et donc, on va se séparer juste après, ici. Non, je pense que ça va être trop près là. Voilà, hop. Donc on va se séparer ainsi. Voilà, ça repart vers là. Et ici, on a deux sorties. Voilà, on a besoin de 4 et de 4. Parfait, la Fire Ice, ça serait bien que tu ailles jusqu'au bout. Ensuite, on va aller chercher notre titane, qui évidemment, on n'en voit pas encore. On n'a pas les navettes pour les envoyer. Les navettes, elles sont en train d'être faites, non? Elles sont pas en train d'être faites. Pour l'instant, on est en train de faire les ateliers. Donc là, j'ai mon titane qui arrive. Avec mon graphène. Et en sens inverse, je récupère quelque chose que je vais stocker dans un petit coffre. Ici. Je pense que j'en aurais besoin de quand même pas mal. Donc je vais laisser la possibilité de faire 20 cases. Donc ici, on va récupérer ça. Voilà. On va mettre nos alimentations. Voilà. On va récupérer le titane. On va récupérer le graphène. Voilà. Il n'y a pas de règle hein, pour les sorteurs. Si vous demandez comment je choisis, où je les place et tout, il n'y a pas de règle. J'aime bien avoir une petite symétrie, mais sinon, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Ok, donc le premier, là, c'est fait. Ici, nous allons maintenant avoir nos chargements. Ah, on est, oui, bah, on est toujours sans électricité pour le coup, effectivement. Donc on va commencer par charger et décharger. Voilà, et ici, normalement, il y en a 4, voilà. Ensuite ici, on va venir là décharger le graphène et prendre. Là, on va venir décharger le graphène et décharger l'hydrogène. Donc là, on va
charger. Là, on va charger. Là, on va décharger le graphène. Décharger l'hydrogène. Hop. Ici, on va décharger l'hydrogène. Et décharger le graphène. Ici, on va charger. Là, on va charger. Ici, on va décharger. Non, c'est pas ça. Je fais sur l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave, on fait comme on veut. Ici, on va décharger l'hydrogène. Je cherche à de m'embêter. Et là, on va charger. Là, on va décharger du graphène. Et là, on va charger. Là, on va décharger du graphène. Et on va décharger de l'hydrogène. Et ici, on va décharger de l'hydrogène. Puis du graphène. Et charger. Là, on va charger. Décharger du graphène. Décharger de l'hydrogène. Là, on va décharger l'hydrogène. Décharger le graphène. Et on charge. Là, on charge. On décharge le graphène. On décharge l'hydrogène. Et la dernière, ici, on décharge de l'hydrogène. On décharge du graphène. On charge. On charge. On décharge le graphène. On décharge l'hydrogène. Alors, c'est cette recette-là qui est une recette spéciale, spécifique aux matières rares. Ça tourne quand même un petit peu. Et voilà, on a de l'hydrogène qui arrive ici. Et donc, je vais devoir me débarrasser. Avec un grand plaisir. Je me rends compte maintenant qu'il va falloir que je fasse encore des tapis. Et pour le coup, j'ai pas pris de tapis. J'espère juste que je vais en avoir assez. C'est quoi? Ça, c'est mon graphène. J'en ai pas besoin là tout de suite. Hop. Hop là. Ici, ça décharge pas parce que c'est pas alimenté. On va alimenter. Et normalement, on devrait recevoir de l'hydrogène rapidement. Je vais quand même enlever les processeurs ici. D'abord parce que j'aime bien stocker des processeurs. Alors, tiens, tu me dis que mon énergie est vide. Bah, mange déjà tout ça et après on verra. Voilà. Hop. Où est-ce qu'on est ? On est là. Hop. Et c'est parti. Voilà. On va déplacer notre processeur juste en dessous. L'hydrogène pour avoir un petit peu plus de place ici. Pas tout à fait sûr d'en avoir besoin. Voilà, et donc ici on a notre graphène qui ressort. Ici on attend le titane normalement pour fabriquer notre carbone nanotube qui va être stocké ici.
On se retrouve tout de suite pour la dernière partie qui sera un petit peu plus longue. Alors les gens, alors on va faire une petite interpartie, donc une partie entre deux parties. On va aller s'occuper de plusieurs réseaux logistiques dont on va avoir besoin pour préparer la dernière partie de cet épisode. Hop là. Donc ici, on va récupérer des processeurs. Voilà, hop, je veux bien récupérer les processeurs et fournir. Et hop. Je pense qu'une dizaine de navettes devrait suffire. On va alimenter. Alors, je n'ai plus d'énergie. Hop là. On va aller chercher de quoi fabriquer quelques navettes justement. 1, 2. Ensuite, on va aller là-bas. Hop là, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 12. Très bien, on va prendre ça. On va aussi aller prendre là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et un petit peu d'acier. 200 devrait suffire. 300, allez. 300. Ensuite, hop là, c'est pas tout à fait fini. J'ai bien ici. Et je vais aller voler des processeurs. Merci. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Ici, est-ce que je peux récupérer des processeurs? Tout à fait. Voilà. Combien j'en ai? Presque ce qu'il faut. Je reviendrai ici, il y aura ce qui me manque. Je vais maintenant fabriquer 200 navettes. Voilà. Et on va aller s'occuper du verre. Voilà, ici on fait du verre et visiblement ça ne sert plus à rien. Il n'est plus utilisé. Donc on va maintenant s'en servir. Hop. Ici. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et on va faire à nouveau un spatioport. Enfin, un système logistique planétaire dans lequel on va proposer du verre et on va mettre, allez, une vingtaine de navettes, ça devrait largement suffire. Ici, je vais récupérer ça, je devrais avoir assez de processeurs, puis le poêle, et je vais lancer 20 comme ça. Voilà. Hop là, on est bien. Maintenant, on va aller chercher ici. 1, 2. Alors ici, on va aller chercher, je vais avoir besoin de titane et de seconde et de titane et de vert, je sais plus. Vert. Demande. Demande. Alors, hop. 40. C'est très bien. Ici, je vais avoir besoin d'hydrogène et de... laissez-moi me souvenir. On va tricher peut-être un petit peu. D'hydrogène, de graphite. Le processeur ici. C'est casimir, hop, et d'organique cristal. Voilà, demande, demande. On va le mettre en charge. Et voilà. On va en mettre 20 là et 20 là pour le moment. Ah, j'en ai 30 maintenant, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Alors, on va quand même faire les sorties. Zou.
Ça, c'est côte à côte. Ici, on a besoin. De ça. Ici, on va avoir les organes cristaux. Ici, on va avoir de l'oxygène. Enfin, de l'hydrogène, de l'hydrogène. Ici, le verre. Et ici, le titane. Voilà, il me faudrait aussi que je lance la fabrication de Sea Water Pump. Voilà, donc on relance ça et tout ça. Et voilà, on est parti pour l'étape suivante. À tout de suite. Alors, l'étape suivante, c'est la mise en place de 50 ateliers. Les ateliers du Kipik. 10 comme ça pour commencer. Voilà, dans lesquels on va fabriquer du verre trempé, a priori. Voilà. Pour cela, on va... arriver ici avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les deux qui sont là, plus de l'eau. L'eau, on va aller la poser maintenant. C'est des raffineries. Les pompes, elles sont où? Où sont mes pompes? Elles sont là. On va pas les poser très loin. Hop. Cinq, six. Voilà. On va aussi aller fabriquer plein de tapis. Ce qui, encore une fois, va repousser les navettes. Elles ont pas de chance. Hop là. Ensuite, encore une ici. C'est quoi la blague? Ça a l'air d'être la même chose là pour les deux. Ça doit être au début. C'est moi qui m'étais trompé au début. Donc, hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Est-ce qu'on a fait quelques navettes ou toujours pas? Attends, on va pouvoir les supprimer. J'ai besoin de navettes, s'il te plaît. Donc ici, nous allons avoir 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. Alors, pour ce qui est des mats, on a besoin
deux processeurs et deux plein filters, ce qui fait 4 titanium glass. Donc ici, on a besoin de 1 quantum. Ce 1 quantum a besoin de 2 plein filters. Ce plein filter a besoin à chaque fois de 2 trucs de glace là que je suis en train de faire. Donc ça fait 4 par seconde. 4 par seconde, ça se produit en 5 secondes, mais pour 2. Donc en 5 secondes, si j'en fais 10, j'en produis 20. En 5 secondes, j'en produis 20, divisé donc par 5, ça fait 4 par seconde. Je me perds un peu des fois quand même. Voilà, on va aller enlever ici le petit défaut. C'est quoi? J'arrive pas à marcher, c'est ça? Merci. Et on va aller améliorer un petit peu ici notre titanium et hydrogène. Alors, on va lui mettre plus de vaisseaux. Voilà, et beaucoup plus de navettes, et surtout on va lui dire local supply, voilà, et on va lui dire qu'il peut aller en chercher plus là. Bah, bon là on a des navettes qui partent, hein. Pour le coup ça picote très bien. En tout cas ici ça va pas tarder à sortir, on va donc pouvoir, ça y est, ça sort, vous avez vu, allez déposer ça. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on a nos 4 par seconde. On passe à la suite. La suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, est-ce que c'est bientôt fini cette histoire? Toujours pas. J'aimerais bien que tu me fasses des sorteurs. Alors, pourquoi je peux plus en faire? J'ai plus assez de moteurs. Hop là. Et on remarquera aussi que j'ai plus de fer. Donc, on va aller chercher ce qu'on peut. Très bien. Donc, du coup, tu m'en fais combien là? Très bien. Et on va repousser les navettes. Nous y voilà. Alors, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8. Ici, nous allons faire des jolis petits trucs comme ça, qui vont permettre de faire des quasimères cristal. Voilà, au taux de 1 pour 1. Donc, il en faut 1 toutes les 4 secondes. Et ici, ça en produit 1 toutes les 4 secondes. Donc, ça marche. Alors, on va copier la recette. Pour fournir ça, il me faut de l'organique cristal et du titanium ingot. Alors, on a vu qu'on avait du titanium qui sortait de là. Voilà, ici, on a l'organique cristal qui sort. On vient jusqu'ici. On vient jusqu'ici. On va maintenant mettre un petit peu d'énergie. Voilà. Et on va charger tout ça
Voilà, ici, on va lui dire ce qu'il faut sortir, c'est-à-dire du titanium. Et on va passer ici. Ici, il nous faut de l'hydrogène. Alors, à raison de toutes les 4 secondes, il nous en faut 12. Donc, ça fait 3 par seconde et par truc. J'en ai 8, ça fait 24 par seconde. Là, on voit que ça colle pas. Donc, on va être obligé de tricher, comme d'habitude, hein. Quand ça marche pas, faut tricher. On va faire les 4 premiers comme ça. Et puis ensuite on va venir ici. Et on va aller jusqu'ici. Très bien, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut du graphène et de l'hydrogène. Non, bah non, il nous faut... Ouais, du graphène, c'est tout. Le graphène, il est là. Hop là. Hop là. Donc on va venir ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 je sais pas, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ici. Voilà. Ah, hop. Et on va descendre. Jusqu'ici. Et enfin, on va récupérer tout ça. Donc ici, on y va. Pour l'hydrogène. Ensuite, on prend le graphène et on ressort. L'hydrogène, le graphène et on ressort l'hydrogène. Le graphène et on ressort l'hydrogène. C'est pas l'hydrogène ça. Masse. Hop là. Hop. Oui, j'aurais dû faire un petit copier. Encore faut-il avoir le réflexe. Voilà, et on va mettre bien entendu tout ce qui permet d'alimenter tout ça. Voilà. Et ça sort. Voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à utiliser tout ça. 1, 2, 3. Vérifions. Une. 2, 3, parfait. Huit, neuf, dix, onze et douze. Et de l'autre côté, vous allez dire, mais t'es malade. Mais t'es malade. Mais non, mais c'est pas moi qui fais les maths. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 12, voilà. Ça va pas marcher, ça va être pas beau. Les trucs vont pas réussir à choper ce qu'ils doivent choper. Donc on va les reposer bien comme il faut en face, voilà.
Il y aura plus d'espace ici. Là, y est. Ouais, voilà, c'était la dernière recherche. Du coup, j'ai récupéré les 8 rouges qui, je sais pas pourquoi, traînaient depuis perpète. Et maintenant, on vient jusqu'ici. Voilà. Apparemment, là-bas, il nous faut un petit peu d'énergie. Pour le reste, c'est bon. Et là, donc, on va fabriquer enfin nos plein filter. Alors, ça se fabrique toutes les 12 secondes. On en vaut 2 par seconde. Il nous en faut 12 d'un côté pour faire 1 par seconde et 12 d'un autre côté pour faire 2 par seconde. On va récupérer nos ressources. Voilà. Et ici, on va mettre la recette un petit peu partout. Hop là. Nous y voilà. Allez, on est reparti. Il nous faut des bras. Apparemment, j'ai arrêté de faire des navettes. Toujours pas, non. Donc, un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Et du coup, toi, est-ce que c'est possible? Ah, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. On n'y arrive pas. Ça ne marche pas, c'est pas grave. On va bien les mettre en face, mais décalés. Voilà. Alors ici du coup, on y va. C'est parti du coup. On peut sortir ici. On va faire plutôt là, ça sera plus simple. Celui-là prend ça, celui-là prend ça, et celui-là sort. Donc pour être clair, on peut faire... celui-là prend ça, celui-là sort, celui-là prend ça. Voilà. Et c'est déjà en train de se faire. Hop là. Qu'est-ce que ça manque les blueprints pour pouvoir copier? Voilà, hop, maintenant on va mettre la recette à nouveau partout. Très bien. Et on va récupérer ça. Alors on a dit que c'était comment maintenant? Ok. Raté. C'est pas beau.
Et là, on a de quoi construire les quantum chips qu'on fera dans le prochain épisode. Parce que l'autre partie est un petit peu plus courte. Enfin, je sais pas. Pas tout à fait sûr de ce que je dis. On saura ça quand je retourne. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On produit maintenant nos deux processeurs supplémentaires par seconde qui sont pour l'instant, ils sont exploités pour être envoyés faire des navettes et tout ça. Parce qu'on aura besoin de beaucoup d'Ethereum, donc je trouvais que ça allait pas assez vite les moteurs. Et on produit nos deux par seconde de donc deux processeurs et deux plain filters qui nous permettront de faire le quantum chip dans le réplicateur. Il nous en faudra un par seconde, donc il nous faudra 6 ateliers là à faire juste à la sortie en fait, hein, tout simplement dans ce coin-là. Vous voyez, 1, 2, 3. Probablement en face, hein, comme ça. 1, 2, 3. Voilà, on va mettre nos quantum chips ici dès demain. Oui, je sais, j'ai dit que j'arrêtais, mais j'arrête juste après. Voilà. Et donc, on aura la moitié de nos matrices vertes qui seront produites. L'autre, on l'a déjà fait, donc ça va être du recopiage. On va même réexploiter une partie. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.